tout le monde. Eh ben, on se retrouve sur, sur la chaîne avec une nouvelle vidéo. Donc, le sujet du jour que je voulais aborder, c'était sur le cormoran. En Limousin, il y en a de plus en plus. Et du coup, je me demandais de votre côté, est-ce que dans votre région il y en avait? Est-ce qu'il y a des moyens que pour lutter contre son peuplement? Et puis, qu'il soit envahissant. Donc voilà, je voulais vous savoir un petit peu votre avis sur la question et d'où cette vidéo. Et puis pour vous en parler un petit peu, du coup, voilà, chez nous, je sais qu'ils utilisent, il y a des personnes habilitées pour pouvoir en tirer quelques-uns, limitées par an, bien sûr. Et je sais qu'il y a des étangs qui s'équipent de filets pour éviter de se faire piquer les poissons, on va dire, par ces oiseaux qui sont assez quand même envahissants, hein, puisque j'en vois dans ma région, mais aussi du côté de Bordeaux, du côté de Bordeaux, où il y en a aussi qui commencent à se développer pas mal, hein. Donc je voulais voir votre avis un petit peu et puis je vous montre donc dans cette vidéo vous allez voir je pêche en flotte tube dans un superbe endroit en Limousin en Vienne et dans le 87 et du coup bah bon vous allez voir que je fais un poisson mais c'est anecdotique et c'était surtout pour vous montrer pour essayer de vous trouver C'est beau, c'est cet fou. oiseau que j'ai pu filmer brièvement et puis vous montrer deux trois images de cet oiseau et aussi d'un petit court reportage où en Chine Ouais, ils utilisent tu l'as cet filmé? oiseau pour pêcher pour eux. Donc voilà, tout ça Ouais, un il est petit aux peu Antilles quand même. résumé dans la vidéo et du coup pour savoir votre avis un petit peu Ah, il y en a des petites sur perches. cet oiseau qui est vraiment un fléau pour certains endroits et voilà, donc je voulais un petit peu vous consulter là-dessus. Allez, allez, je vous laisse. Y avoir de ces brochets. Mon gros leurre. Le bleu là, ouais. C'est pas mal ça. J'ai mis le prix dessus, mais. Déjà, tu t'accroches pas trop. Si je le perds, je pleure. Par contre. Oh, il y a un brochet là. Il est venu voir la perche, mais il y a des bancs de perche là. Impressionnant. Une petite lame vibrante, tu dois mettre. On va avoir froid! C'est vrai? Elle est comment l'eau? C'est vrai? Aller en face. Tu vois là, il y a une espèce de chaise derrière nous. J'ai une tape, mon gars. Tendre. Énorme. La prochaine fois, on va à Saint-Bardou. Il n'y a rien là. Il y a vraiment que des idiots comme nous pour pêcher là. J'ai soif! J'ai soif! Putain. Putain, la gueule des mecs là.
Ça se trouve, il est 22 h déjà.